Alors les brebis! Cela fait presque 30 ans qu'Anne Denis élève des animaux dans un joli coin de Touraine, près de Sainte-Maure. Autant pour l'entretien de son terrain que pour son autoconsommation. Et ce type d'élevage familial a de nouveau le vent en poupe aujourd'hui. Anne a donc décidé de donner quelques conseils à ceux qui rêvent de posséder des poules ou d'autres habitants de la basse-cour, afin d'éviter certaines déconvenues. Quand on accueille des animaux, il faut vraiment se poser la question, comment on les nourrit, comment on les soigne, est-ce que j'ai assez de surface, est-ce que j'ai de l'eau, est-ce que j'ai pas d'eau. Donc dans le livre, j'ai essayé d'alerter, de montrer à la personne, suivant les atouts qu'elle a, soit si elle a de l'eau, est-ce que c'est bien pour avoir par exemple des oies ou des canards. Si elle a du terrain, à partir de quelle surface on peut avoir une brebis ou un cheval. Ou si j'ai peu de surface, je vais me cantonner aux poules. Intitulé « Petit élevage familial bio », le guide d'Anne Denis est aussi centré sur le bien-être animal. Il accompagne les novices dans le choix du type d'élevage en fonction des besoins et des envies de la famille. Le livre recense tous les conseils en matière d'élevage, tant pour les surfaces, pour le logement, le matériel qu'il faut pour chaque animal, avec qui il peut vivre. Et puis aussi, l'idée, c'est d'aider la personne dans son projet, à savoir, suivant ses objectifs, quel est l'animal le plus adapté qu'elle devra choisir, quitte à peut-être abandonner son idée première. Quelques conseils précieux, histoire de bien démarrer son élevage. Le guide d'Anne Denis sera disponible en librairie à partir du 30 janvier prochain.